Partons du principe que la seule communauté de communes qui ait des bureaux à siège d'une de ce nom, c'est Tamaletroit. Il y a une question d'argent public. Et les gens ne comprendraient sans doute pas qu'on aille construire ailleurs quelque chose qui existe déjà, qui permet une optimisation des moyens financiers, mais aussi des espaces. Et on a en plus prévu, avec l'architecte qui est là d'ailleurs, on a déjà prévu encore un réaménagement éventuel. Non, mais on aime bien le cabinet PR, on est nombreux à aimer le cabinet PR dans l'hôtel. Donc on a un site qui est accessible dans tous les sens du terme, on peut se garer facilement. Et on a en plus des bureaux à côté tertiaires, par exemple, qu'on peut tout de suite transformer en bureaux administratifs. On a prévu, si nécessaire, une extension. On a des services techniques qui touchent derrière, qui viennent d'être refaits et agrandis de façon importante. Que le siège administratif, au moins avec les moyens généraux, soit là, ça paraît raisonnable. Ça, je crois que c'est... D'autant que sur les deux autres ces investissements-là n'ont pas été faits. Non. À la Gacilly, c'est un étage de la mairie qui a été aménagé. À Guerre, c'est une ancienne maison de caractère, hein, mais avec des marches pour arriver à la tour. Non, puis il n'y a pas l'espace. Enfin, après, il y a pas l'espace, etc. Mais donc, faut dire c'est surtout que vous avez fait un bâtiment, quoi. Il y a de l'argent public qui a été investi, et je crois qu'on n'est pas... Il faut optimiser les moyens. C'est 29 communes et 38 000.